Irina Tchatchina se présente maintenant. Son palmarès est au moins équivalent à celui d'Anna Bessonova. Les deux jeunes filles sont du reste les légitimes favorites de cette compétition exaltante que nous suivons ensemble. Au ballon donc, pour la Russie, Irina Tchatchina. Si c'est une faute, il faut dire que cela survient sur une difficulté majeure de la chorégraphie. Vous l'avez vu, je pense qu'on va du reste le revoir au ralenti dans quelques instants. Elle a essayé de rattraper le ballon entre ses deux genoux et malheureusement, ce dernier lui a échappé. Attention, ah non, 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 ça ne se termine pas bien. Dans l'intention, c'est un programme magnifique, magnifique, avec nombre de difficultés tentées, à défaut, hélas, d'être réussi. Et Irina Tchatchina aura bien du mal à venir concurrencer la tête de la compétition. Diable de ballon qui permet des roulés au sol ou sur le corps, des rebonds, des lancers. C'est précisément sur ces derniers que surviennent les difficultés. Tchatchina qui rejoint les vestiaires. L'air fort Marie de ses déconvenus. Voilà, elle essaye de le rattraper entre les genoux, mais regardez cette difficulté. Ça doit être terrible. Et malheureusement, le ballon qui lui échappe. Et il semble qu'il va de nouveau y avoir un problème en fin de Corée. Oui, là, bah décidément, c'est à peu près le même genre de figure tentée. Un rattrapage du ballon entre les genoux et qui malheureusement deux fois échoue.